Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir le concept ID Life, le 8e concept ID de Volkswagen. Il préfigure ce que pourrait être la future citadine 100% électrique de la marque allemande. Le style de ce concept tranche radicalement avec le reste de la gamme ID. Les lignes sont beaucoup plus tendues, les angles sont plus marqués. L'ID Life se donne un véritable petit look 70s. Avec ses 4,09 m de long, elle pourrait préfigurer ce que serait la Polo du futur. La carrosserie de ce concept est brute, il n'y a pas de peinture, un petit peu dans l'esprit de la Citroën Ami. L'ensemble des matériaux utilisés pour l'intérieur comme pour l'extérieur sont 100% recyclables. La présentation intérieure de l'ID Life est sobre, elle est dénuée de tout écran normalement. Seul un volant conceptuel et un affichage tête haute font face au conducteur. Un téléphone portable fera ensuite office de système d'infodivertissement. Ici, vous pouvez disposer d'un grand écran, mais ça ne sert qu'au loisir à regarder des films. Vous rabattez le dossier de la banquette avant et vous disposez ensuite d'un véritable salon pour regarder les films à loisir. Le concept ID Life repose sur une version raccourcie de la plateforme MEB. Il dispose d'un moteur électrique seulement sur l'essieu avant, c'est une première pour la plateforme MEB. Il développe 172 kW, soit 234 chevaux, et il est alimenté par une batterie d'une capacité de 57 kWh qui offre une autonomie de 400 km. Le véhicule de série qui découlera de ce concept ID Life n'apparaîtra en 2025. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.